reste un petit peu au Moyen-Âge, avec un manuscrit qui est dédié à l'amour. Il ne peut être autre chose que dédié à l'amour, parce qu'il est en forme de cœur. Ah, voilà. Vous vous êtes posé la question pourquoi j'avais apporté des pinces à linge. C'est un outil indispensable à l'extérieur. J'ai failli perdre une feuille. Donc c'est un manuscrit qui est en forme de cœur. Donc il est en forme de cœur, déjà, rien que le manuscrit quand il est fermé. Et quand on l'ouvre, la mienne ne l'est pas évidemment, quand on l'ouvre, on a deux cœurs l'un en face de l'autre. Et je vous propose « Per la mia cara ».
Alors, je ne pouvais pas vous proposer quelque chose du Moyen-Âge sans vous proposer un chant de Guillaume de Machaut, grand poète, grand compositeur du XIVe siècle. Alors, c'est un petit peu plus enlevé. Il a écrit énormément de chansons d'amour, dont « Douce dame jolie ». Douce dame jolie, pour Dieu ne pense ni que me les signorie sur mes corps vous seulement. Car est-ce très chérie, chérie, vous est humblement tous les jours de ma vie, servie sans vilain pensement. Hélas, je m'en dis. Espérance et d'ailleurs, dommage et fini, si vite ne vous en prend. Dans ce dame jolie, pour Dieu ne pense ni, que nous les signorie, sur mes corps vous seulement. La prochaine fois, on dansera en même temps. D'accord ? Alors, je fais un petit peu de régie, pour disparaître un peu des choses, en faire réapparaître d'autres choses. Ah ben, je fais disparaître trop tôt. Voilà arrivé à la Renaissance. Alors, je suis sûre que vous connaissez toutes et tous la chanson du Pont d'Avignon. Je ne vais pas vous la faire. Je vous en fais une autre qui parle aussi du Pont d'Avignon. Et alors, sur le Pont d'Avignon, il y a celui qu'on va appeler l'amant. Il a entendu sa belle chanter et du coup, il tente, il essaie, il dit « Mais viens, ouvre-moi la porte, je veux venir chez toi. » Sauf que la belle vient de se marier. Ah, voilà. Donc, voici sur le pont d'Avignon. Non, il n'y a pas d'accompagnement. Donc, j'espère qu'ils vont être calmes derrière. Sur le pont d'Avignon, j'ai ouï chanter la belle qui
la petite histoire dont je vais parler, c'est le cheval. Il faut vous briller. Son Eurydice. On arrive à l'époque.
retrouve son Eurydice à la fin quand même. Celle-là, elle finit bien au moins. Enfin, selon des versions. C'est vrai. Nous partons à l'époque romantique. Schumann, il a écrit un magnifique recueil de mélodies, de lieder, qui s'appelle Frauenliebe und Lied. L'amour et la vie d'une femme. Et je vous propose évidemment pas tout le cycle, parce que ça serait beaucoup trop long, ça sera peut-être à une autre occasion, mais je vous chante Durig meinen Finger, qui veut dire toi, la bague, l'alliance en l'occurrence, à mon doigt, que je chéris et que je porte à mes lèvres et que j'aime tant.
Évidemment, quand on parle d'amour dans la musique classique, il y en a une qui ne peut pas manquer. C'est la Carmen. Elle a eu moins de chance par contre. J'espère que ça va aller avec les feuilles, parce que j'en ai à tourner. C'est parti. Attention. C'est parti. Attention. J'avais prévu, donc c'était un Ave Maria de Tolstoï. C'est comme
comme si c'était la Providence. J'avais un deuxième Ave Maria pour l'amour entre la mère et son enfant. Et je n'ai pas besoin de vous dire, je pense que vous allez la reconnaître. Survolé le 19e pour arriver au 20e, un compositeur qui me tient vraiment à cœur, c'est George Gershwin, parce que justement il a utilisé beaucoup les voix lyriques, et beaucoup de ses morceaux ont été repris par le jazz et sont devenus de grands standards de jazz, et je voudrais vous en proposer un qui parle évidemment encore d'amour pour terminer le voyage dans l'histoire de la musique vocale classique sur l'amour, qui est Summertime. Little baby.
Merci beaucoup. Très chaleureux.